Yo bande de nabos, aujourd'hui nous allons dessiner, créer, que dis-je, nous tourner vers l'art. Je suis sûre que vous connaissez déjà le jeu que nous allons tester aujourd'hui. Il s'agit de 90 secondes portrait. Vous avez très certainement déjà vu des dizaines, des centaines, voire des milliers de youtubeurs, soyons fous, y jouer. Mais aujourd'hui, c'est différent. Le jeu 90 secondes consiste à reproduire le portrait d'un client le plus fidèlement possible. Cependant, pour corser les choses, nous allons nous imposer un petit challenge. À droite, je dessinerai sur le jeu et à gauche, je le ferai sur papier en même temps. Je sens que je vais adorer ce défi. On est parti ! 90 secondes portrait, c'est parti, c'est l'occasion pour nous de montrer à quel point nous sommes des artistes exceptionnels. Et pour ce faire, j'ai apporté ma palette personnelle constituée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sauf le jaune. Je n'ai pas de jaune, j'espère que j'aurai rien de jaune à dessiner. Pour une question pratique, je vais dessiner avec la main gauche, parce que je suis gauchère, et pour une question un petit peu moins pratique, je vais tracer avec la main droite, et ça va être galère. Attention! L'exploit que vous êtes sur le point de visionner a été réalisé par une professionnelle. Il est déconseillé de reproduire cette cascade chez vous, sous peine de subir de graves sévices psychologiques. Cordialement, les mecs qui donnent toujours des conseils bidons. Faites entrer la victime. Le client. C'est comme ça qu'on dit, non? Oh 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 oh! Bien le bonjour, monsieur! On va commencer par dessiner votre magnifique petit t-shirt bleu. Voilà, comme ceci. Ah, c'est galère! C'est galère. Faut bien s'appliquer pour que le client soit satisfait et reparte avec le sourire, parce que là, c'est pas gagné. Comme le bouton. Nous avons une couleur de peau des plus pâles, j'ai envie de dire. Donc on va partir sur du petit orange sympathique. Ici, nous avons un orange plutôt vif. C'est pas grave, on va dire que c'est un fanatique de l'autobronzant. Voilà. Regardez comme ça commence à prendre forme. Magnifique. N'oublions pas les petites oreilles, motherfucker. Oh non, attendez, j'ai pas terminé son visage. J'ai pas fini le visage du monsieur. Non, le temps, bordel. Ah, gars, j'ai pas fini. Ah. Ok, c'est pas grave, on n'a pas le temps. Suivant. Ce monsieur a une petite sacoche de couleur, ma foi, très sympathique. Donc nous allons commencer par celle-ci. On va juste faire le contour, hein, parce que ça va être chiant. Ensuite, il est habillé de manière très très chic, en noir. Donc nous allons rendre honneur à son costume. Oh putain, non! Oh non, j'ai pas de mine! J'ai pas de mine. Voilà, ici, c'est bon. Oh, je fais des boulettes. Oh, ça ressemble à rien. Oh mon dieu, mec! Je suis navrée. On va tout de suite se lancer sur la partie la plus intéressante, c'est-à-dire le visage de la victime du client. Voilà, comme cela. Mon dieu. Putain, j'aurais dû faire ses cheveux avant. Mais ah, c'est que vous avez une coupe des plus rétro, très cher ami. J'aime beaucoup votre petite frange là. Ça m'excite, ça. J'aime bien. Il y a un vieil arbre pourri derrière. Il faut évidemment pouvoir faire le décor. Ok, bah, j'ai pas fini, putain. Là, c'est du orange. Et je peux vous assurer que le orange, on en a. Ça va être très facile. On va faire une sorte de petite carotte. Merde, je me suis concentrée trop sur la gauche. Du coup, mon dessin ici ne ressemble à rien. On va s'appliquer sur les tentacules. Parce que le poulpe est roi, vous le savez comme moi, bordel. Oh non. Mais que fais-je? Je suis en train de prendre un crayon blanc pour dessiner sur une feuille blanche. C'est totalement nul. Mais ça ressemble à rien, bordel de cul. Ah, vite, derrière, il faut faire le décor derrière. C'est bon, là, on tient un truc. Je suis complètement sûre que le poulpe va kiffer ce qu'on fait. Yes! Suivant! Il est tout nu. Je peux pas travailler là-dessus, Bon, vous avez un corps magnifique, monsieur. Grosse mytho. Oui. Ignoble. Je vais même dessiner votre petit cache-kiki pour éviter de choquer votre famille dès que vous accrocherez votre portrait chez vous. Hop, le petit visage très souriant de monsieur tout le monde. Et puis bien sûr, un fond très nuité. Oh, qu'est-ce que c'est? F! Oh, vous n'avez pas de goût, messieurs, dames. Vous n'avez pas de goût.
Ah, ça va être facile. Un petit ovale, crée le cou, un petit crayon bleu pour dessiner l'ombre, ou la collerette, ou les cheveux, je sais pas. Nous allons tout de suite nous apercevoir qu'il y a des magnifiques petites montagnes qui bordent le coucher de soleil. Mais non, le lever de soleil. Putain, j'ai pas de jaune, comment je vais faire ça, moi? Non! Mais non, mais l'arnaque... non, mais là, c'est pas du jeu, je peux pas faire... Bon, on aura un soleil vert, voilà, hein, soleil vert, et bah tant pis, je t'emmerde. C'est la pollution, rien à foutre, c'est fini, c'est terminé. Très ressemblant, on ne pourrait même pas distinguer l'original. Donne-moi une bonne note. C'est le meilleur dessin que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. C'est... D'accord. Ah. La session d'art plastique étant terminée, on peut désormais comparer nos œuvres avec les originaux. Et voici le moment de la vérité. Tout d'abord, nous avons le monsieur à l'air renfrogné. Que j'ai plutôt bien retranscrit ici. Vraiment. Mais un petit peu plus moyennement sur papier, ceci dit. On peut distinguer un petit sourire, là, regardez. Il est heureux, cet homme, donc non. C'est honteux. Eh ben oui, le suivant. Le suivant, c'est une catastrophe. Est-ce un homme? Est-ce un lampadaire? Que nenni? Qu'est-ce que c'est? Que serons-nous un jour? Du côté du dessin, ça vole pas haut non plus. Ici, on pourrait éventuellement reconnaître un visage et un appendice qui semblerait nous faire comprendre qu'il s'agit d'un homme marteau-piqueur. Espèce très rare. Du Picasso. J'ai voulu personnifier la décadence de la société à travers cet homme qui, en portant sa sacoche partout avec lui, n'emporte pas seulement un morceau de cuir ou un morceau de plastique ou un morceau de matière à travers le temps et l'espace. Non, il emporte aussi un fardeau. Ce que vous pouvez appeler un gribouillis est en réalité le reflet de son âme en quête de liberté. Au suivant, l'homme poulpe, le poulpe sacré, que j'ai complètement défiguré. On a quand même beaucoup plus assuré du côté du dessin. C'est l'homme poulpe, de dos. Vous voyez, là, c'est moi. Je suis déguisée en cheval, pour surprendre ma proie. Ah, ah oui, lui. Il est parfait. Tout y est, le décor, les chaussettes, le petit cache. Tout est si joli, que je t'accrocherai bien dans mes toilettes. Le dino. On sent toute la force de l'artiste, ce qu'il a voulu exprimer par l'utilisation du vert pour le soleil. C'est un cri venant du cœur, exprimant toute sa déception envers la nature qui se meurt. Hey, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Avant de nous quitter, surtout n'hésitez pas à me dire quel dessin vous avez préféré, version papier ou version virtuelle. En ce qui me concerne, ouais, le poulpe de dos. Il est classe celui-là. Ça mérite une petite danse poulpe de la victoire. Stop! Il est temps pour nous maintenant de nous quitter. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et en attendant, à tous, je vous fais de gros bisous!